Désolé, mais j'ai pas le temps pour t'aider, boire. Mon marasme est total et la vie me donne bien trop de devoirs. Charité bien ordonnée commence par soi-même, fait que laisse faire. Et puis j'ai autre chose à faire, tout plein de raisons de m'en faire. Qui n'a pas connu le manque? Alors amis, nous sommes tous frères. Dans l'attente qu'un autre jette l'encre, fasse une halte, vague de lumière, éclat de cœur. Pendant que l'on s'éloigne, s'étire les bras de ceux qui soignent. Se faisant écarteler, ils se déforment pour qu'on se rejoigne. Montréal fait divers. Recherche de Béné. Arrivée depuis peu, Mélanie a tout son temps. Et de son libre temps, tu vois, s'occupe de ceux qu'on a du mal à capter. Mélanie, bénévole aux personnes handicapées. Les bénévoles veulent que l'amour vire. Nous sommes un grand monde qui s'individualise, un petit village qui se divise. Entre toi et moi, il y a bien trop de balises. Et puis, j'ai pas le temps, faut que je me mondialise. Moussa est ingénieur, mais pour l'heure, taximan. Son shift est de nuit, mais est sacré son jeudi. Il trouve que la vie est dure, mais Moussa fait son maximum. Le jeudi soir, avant son car, Moussa conduit bénévole. Certains parents dans son bloc finissent trop tard après l'école. Les bénévoles veulent que l'amour vire vol. Ils font partie des gens qui croient changer les choses, agissent en silence pendant que d'autres causent. Leur qualité première, être désintéressé. Fouler la terre promise, non, juste la caresser. Accomplir un travail gratuit et sans obligation. Des citoyens ordinaires refusant l'abnégation. Ce geste est touchant, un amour étouffant. Répandre le bien-être, répondre à un besoin pressant. Isabelle, 38 ans, mère monoparentale, à la garde du fiston, et il n'y a même pas eu de bataille. Parle-moi d'un père parentable, Isa se serre la ceinture. 40 heures semaine, même voir son fils sa verdure. Mais elle fait le temps, et elle le prend le mercredi soir. Au moins elles sont ensemble, elle, bénévole, aide au devoir. Les bénévoles veulent que l'amour vire vol. Ce sont les conditions qui créent les bénévoles, répondant aux besoins, faisant que quelques rêves volent. Sentiment d'injustice, mais surtout compassion, être là pour un autre et de quelque façon. Marilyn, 4 heures semaine, tient compagnie aux malades. Les accompagne, eux et leur famille devient leurs camarades. Elle fait peu, café, lecture, jeu, met de l'eau dans la plante. Dans tous les cas, elle reste là, même silencieuse, elle est présente. Comprend que l'attention peut être pour le moral corrosif. Marilyn est bénévole, elle en soins palliatifs. Des êtres bienveillants qui, pour se sentir utiles, font le temps dans le temps pour arroser le futile. Des jardiniers de l'homme qui font pousser des étoiles. Et dans les yeux de ceux qu'ils aident, elles se dévoilent. Ils ont ce commun rêve de faire changer le morose. Pour la collectivité, des philanthropes leur temps proposent. Le temps, c'est tout. Le temps, c'est nous. Le temps, c'est tout ce que nous avons à vous. Ce besoin de faire quelque chose, se sentir utile pour rien. De la bonté, de la volonté, participer à sa société. Passeur d'amour et de bien-être, art du don de soi et de s'oublier. Faut respecter l'amour, maillon d'une chaîne solidaire, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, donneur d'humanité, bienveillant d'un monde oublié, de la souffrance et de l'indifférence. Les bénévoles veulent que l'amour vire vol.
Merci à tous les bénévoles, bravo.